conséquence 5. Alors maintenant, c'est Jade qui va venir nous parler d'Internet à la maison. Alors bonjour Jade, et merci d'avoir accepté de venir. Alors donc, Internet à la maison. Donc tu l'utilises comment, Internet à la maison? T'as un ordinateur? Non, je n'ai pas d'ordinateur, mais j'ai d'autres appareils à peu près pareils. Oui, c'est-à-dire? J'ai un téléphone, j'ai une tablette, et voilà. Et tu fais quoi avec? Je fais des recherches, je regarde YouTube aussi, des fois je fais des TikTok, je fais des vidéos, des selfies, des photos et voilà. Depuis combien de temps tu utilises Internet? 3 ans. 3 ans, ouais. Est-ce que tes parents surveillent, te donnent des conseils pour utiliser Internet en fait? Non. T'as le droit de rester le temps que tu veux sur ton écran? Ah non, par contre, avec mon téléphone, j'ai du temps libre, on va dire. Oui. Mais avec ma tablette, je dois l'utiliser que en bas, donc dans le salon. Mais le téléphone, je peux aller où je veux. Et après, en fait, c'est ma responsabilité. Enfin, je ne rappelle plus. Ils te font confiance, tes parents? Oui, ma mère me fait confiance et donc quand elle n'a plus de batterie, c'est moi qui le charge, c'est moi qui fais les choses, qui fais les mots de passe, les choses comme ça. Oui, voilà, donc du coup, alors justement, il faut des mots de passe. Pourquoi il faut des mots de passe? Moi, il me faut un mot de passe parce qu'il y a des choses personnelles dans mon téléphone. Voilà. Et j'ai pas envie que ma sœur vienne farfouiller des choses comme ça. Donc, tu as compris l'utilité d'un mot de passe, en fait? Oui. Ouais, donc c'est pour que les autres ne puissent pas avoir accès à tes... Voilà. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu t'en sers aussi pour travailler tes devoirs d'école, les devoirs? Enfin bon, est-ce que tu t'en sers un peu? Non, jamais. Tu vas jamais demander à Google un renseignement si tu sais pas ou la signification d'un mot, tu vois? Tu fais jamais ça encore? Tu le feras peut-être au collège? Au collège, peut-être. Ouais, c'est possible que ça te serve davantage à ce niveau-là, au collège. Donc, tu me disais tout à l'heure, pour Internet, il faut un règlement. Je trouvais ça bien que tu dises ça, parce qu'en fait c'est vrai. Ah bah oui. Ouais, et pourquoi tu penses qu'il faut un règlement? Parce que sinon après si on s'habitue trop à pas avoir de règlement, donc d'être libre avec Internet, et ben il y aura des problèmes, des virus, des choses, après on sera accro, on pourra plus se détacher du téléphone, on sera renfermé dans sa chambre tout le temps et... Ouais, c'est et vrai. Du coup, il faut un peu encadrer les choses. Ouais, c'est comme à l'école, il faut un règlement, c'est comme partout, il faut des règlements en fait. Et sur Internet, bien sûr, il en faut un. En tout cas, toi au moins, tu as bien compris, donc normalement, tu ne dois pas tomber dans les pièges. Hein. Voilà. Eh bien, écoute, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire avant de quitter le plateau? Non. Non? Donc voilà, donc tu as vécu une belle semaine aussi avec tes camarades sur le numérique. Et peut-être que tu aimerais bien aussi que ça se renouvelle. Tu arrives au collège l'année prochaine? Tu arrives ici l'année prochaine? Oui. Alors on va peut-être se revoir alors. Enfin du moins j'espère. Alors au revoir Jade et merci. Au revoir.